Salut à toi et bienvenue dans ce petit obsèque des Phantom Punch. Ça te dit quelque chose? Celui de Mohamed Ali, n'est-ce pas? C'est normal, c'est le plus célèbre. Mais lorsque l'on parle de Phantom Punch, eh bien nous pouvons le traduire de deux façons différentes. La première, c'est simplement un coup invisible pour l'adversaire, donc il se le prend, il ne voit absolument rien. La seconde, eh bien là, c'est une simple simulation ou autre chose, va savoir. Les fantômes sur Ring existent peut-être? Bel et bien, qui sait? Ben justement, c'est un peu le thème de la vidéo d'aujourd'hui, je te présente 5 Phantom Punch dans les sports de combat. Mais avant ça, accessoirement, bouge tes oreilles, parce que si tu tiens à tête à pan, ça va gueuler. Oui, oui, tu l'as compris, je balance l'intro. En tout cas, frère Serette, j'espère que tu as bien installé, c'est le cas? Bah super alors, let's go, c'est parti pour ce petit obsèque. Mais avant ça, je tiens à rappeler un message très important, c'est que la violence ne s'utilise jamais gratuitement. Si on doit l'utiliser, eh bien c'est pour se défendre soi, ou bien défendre les autres. Jamais gratuitement, et ça c'est la première règle de vie, la première règle de... la Justice League. Allez, on y va, c'est parti. Et on commence bien sûr avec le number one, Tim Hsu, boxeur invaincu et très talentueux, qui en 2018 affrontait Stevie Hogan Fernandez. Le soir du combat et au premier round, eh bien, il s'était passé quelque chose de bizarre, vraiment très bizarre. Regarde ça. Rushy's work a little bit. He was dropped by Wade Ryan in a fight at the Star in Sydney that I had the pleasure of calling. Came back and won that one as it went the distance. And well, they're mucking around here. Just fires a right hand. Fernandez didn't like it one bit. You know, I knew Fernandez was in a bit of trouble when he forgot the. C'est un peu chaud, n'est-ce pas? Parce que si on remarque bien et qu'on revisionne une seconde fois, on voit bien qu'il se protège, il recule, ne se prend aucun coup, en tout cas aucun coup qui pourrait lui occasionner des dégâts. Simulation, peur ou autre, pour ma part, je ne sais pas, tu n'as qu'à choisir lequel te convient le mieux. En tout cas, ce qui est dommage, c'est que le combat s'est arrêté juste après. Pour le numéro 2 ici, nous avons un combat entre Abner Conto contre Javier Fortuna. Le combat se passe tranquille en 2014 à Chicago. À la fin du quatrième round, il va y avoir un petit troll de la part de Abner qui va aller narguer Fortuna, qui lui, franchement, le moins que l'on puisse dire, eh bien, c'est qu'il ne va vraiment pas bien le prendre. L'adrénaline, l'attention, l'envie de démolir son opposant, hein, faut pas déconner non plus, il y a des limites à avoir quand même, hein. Mais la suite est tout bonnement extraordinaire, parce que on est d'accord pour dire que le coup est 100% manqué. Il nous fait d'ailleurs un super beau pas de danse avec un tour à 180 degrés. Ah, c'était magnifique. Mais moi, ce qui m'a vraiment fumé le plus là-dedans, c'est l'attitude du coach. Mate-moi ça. That is comical, guys. Yes, it is. And hey, the fans must be seeing it on the. There we go. Go down. It worked. They took a point away. That's right. Wow. Il l'incite carrément à se foutre au sol, on dirait vraiment un compatriote italien, parce que tu sais bien, on adore simuler, hein, n'est-ce pas Immobile? Bon, pour la suite, pour la petite anecdote, tout ça, on ira dormir moins con, c'est que Javier a gagné le combat par KO. Le numéro 3 maintenant, alors ici, nous avons un combat amateur ou début pro, je ne sais pas, parce que je n'ai vraiment aucune info dessus. Quoi qu'il en soit, que s'est-il passé? Si tu as une idée, eh bien, dis-le-moi dans l'espace commentaire. En attendant, ben, je te balance la vidéo, regarde ça. Spécial, n'est-ce pas? En fait, on dirait qu'il perd carrément ses appuis parce qu'il saute sur son adversaire, il essaie une sorte de style de gazelle punch, mais on a l'impression que son adversaire contre, enfin je sais pas vraiment vu la qualité de la vidéo, en tout cas c'est un peu controversé tout ça. Bref, on enchaîne avec le numéro 4 et ici nous avons Paul Briggs contre Danny Green. 2010, ah quelle bonne année, j'étais toujours à l'école secondaire. Bref, stop la nostalgie, combat pour la ceinture, et ça c'est encore plus important. Sauf que j'ai rien compris du tout.
Et toi, je pense que tu vas être dans le même cas. Regarde ça. Two friends with a friendship on hold. Paul Briggs, 3.5 years in boxing retirement in the red and white trunks. He is going to come out headhunting. And Briggs is down. On est d'accord, c'est vraiment incompréhensible. Même Danny, son adversaire, il est en train de péter un câble, il est limite en train de l'engueuler. Allez, relève-toi, j'ai pas fait tous ces mois de préparation pour ça quand même. Ah bah si, dans ta gueule, file-moi le chèque, je rentre chez moi en bonne santé, c'est tout. Allez, plus sérieusement, quand on met le ralenti, on voit qu'il le touche, mais de là à finir au sol, non, quand même pas, je suis désolé. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Peur, simulation, l'attaque de la tortue, Captain Planet qui est arrivé, genre ça serait à toi de t'exprimer en commentaire encore une fois. Et enfin, pour le dernier, nous avons Sam Maxwell qui nous avait fait un comeback talentueux et miraculeux contre le français Sabri Saïdiri. Rappelle-toi, c'est même sur la chaîne. Et quand on dit miraculeux, c'est vraiment pas pour imager, parce que c'était à quelques secondes du dernier round, et il était en train de perdre au niveau des poids. Ici, il va nous balancer des coups incroyables avec un timing parfait. Franchement, c'était magnifique, parce que si on check bien le ralenti, c'est juste incroyable. Tout y est, vitesse, précision, puissance, timing, bref, du grand art, le noblard dans toute sa splendeur. J'ai adoré. Et bien voilà frérot, ça va être la petite vidéo, le petit obsèque se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié. N'hésite pas à t'exprimer dans l'espace commentaire. Dis-moi lequel était ton préféré, lequel tu trouves le plus what the fuck, et me dire ce que tu penses de tout ça. Si t'as apprécié encore une fois, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire, tu laisses un, deux, trois, un chiffre, une lettre, un émoticône, n'importe quoi. Et moi ça m'aide énormément, énormément à éclater l'algorithme de YouTube. En te remerciant parce qu'on remonte tout doucement dans les vues, je le vois chaque jour dans l'ensemble des vues au total. Merci à toi de continuer à jouer le jeu. En tout cas, on va se laisser ici. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, très important pour ta santé, le sport, l'alimentation, ça va de pair, je le rappelle, c'est très important. Le ne va pas sans l'autre. Vitamine oméga 3, la base des compléments alimentaires, je rappelle, le matin, surtout pas à jeun, c'est surtout en buvant de l'eau et en mangeant, en consommant des lipides, donc des jaunes d'œufs, des noix, etc., même de l'huile d'olive, enfin bref, t'as capté le truc, je pense que tu as un minimum de base en nutrition. En tout cas, le petit cours se termine ici, on va se laisser ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.